fabriquer un truc. Ouais, quand même, tu veux partir. Donc, non, mais je pense que c'est pas mal, là, au niveau du budget. Je pense qu'il faudra juste revoir cette partie-là. Laquelle? Là. Ouais, je pense aussi. Ça va? Salut, Franck! Salut! Comment ça va? C'est apprenti? Ouais, c'est bon? Ouais, donc je dirais que cette partie-là, on va sûrement la revoir. Ouais. Et en fait, excusez-moi, les amis, il est où Damien? Damien? Ah, le pauvre, il en a fait. Oh, oh non, galère! Non. Ouais. Art plastique? Ouais, c'est ça. Ah, galère. Mais qui veut être. Il veut faire l'être moderne. Ouais, l'être moderne. Ah ouais, il en avait un bon écrivain en plus. En plus, en dessin. J'ai lu les textes. Ah ouais, grand dessin. C'est, oh là là, c'est dur hein, pour lui. En plus, ça compte pour le bac. Ouais. Ah, salut les filles, ça va? Je comprends pas. Ils mettent des matières comme ça qui comptent pour le bac. Je reviens. Franchement, pour le bac. Ça sert pour quel métier à part? Tu vas à la boulangerie, tu vois là, tu vois la joconde. Exactement. Ça sert à rien. Ça m'a donné une idée. Dis-moi tout. Allez, Francky. Les cours à la carte, on pourrait choisir les cours qu'on a en fait. Et l'après-midi, on fait des activités culturelles. Ah ouais, ouais, je vois. Mais ça existe ça dans des pays, je crois. Ouais, en Angleterre. Ah ouais. En Finlande aussi. Et en Finlande aussi. Ouais, et en Espagne. Pourquoi on ne le ferait pas ici? Faudrait. C'est vrai. Ouais, ça pourrait servir. En plus, on se focalise sur les spécialités qu'on veut, quoi. Ouais, en ouais, plus. Ouais, c'est vrai. Alors, toi, lui, le matin, il va en cours. Après, midi, théâtre. Ouais. Toi, cours, foot. Ouais. Moi, je suis en cours. Après, je suis en pause de cours. Après, midi, c'est bien. Donc, ça pourquoi peut servir à tout le monde. Pourquoi on n'essaierait pas de le faire passer, ça, à la plénière? C'est pas une mauvaise idée. On fait un petit vote. Vote plénière. Pour voir comme, si tout le monde est d'accord. Oui, alors après, là c'est une proposition de projet. Si vous adhérez à ce projet-là, après on va travailler sur tout ce qu'on va mettre dedans, pour qui on s'adresse, avec qui, comment on le fait, etc. Qui est pour? Donc à l'unanimité pour. Moi je pense que. Mais... Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 15 ans et je suis élue au conseil municipal des jeunes de ma maison. Je me demandais si c'était possible de mettre en place un projet dans les établissements de ma commune. Ce projet concernerait la mise en place d'un dispositif d'essai, une sorte de test, pour remplacer certaines heures de cours par des temps d'activité culturelle, sportive ou associative, et de constater si un tel dispositif serait viable d'un point de vue fonctionnel dans un lycée pilote. Comme ce projet concerne des temps d'enseignement du second degré au lycée, j'ai pensé que je devrais soumettre un dossier qui pourrait être étudié au niveau régional. Je sais que la région encourage l'initiative et la créativité des lycéens par des aides régionales, des soutiens, que ce soit d'ordre technique ou financière accordé à des projets des lycéens. Il existe plusieurs dispositifs selon les régions qui offrent la possibilité d'élaborer et de réaliser des projets, y compris dans l'enceinte du lycée. Et je me demande si un test pour remplacer certaines heures de cours par des activités pourrait s'inscrire dans un tel dispositif. Bonjour, je m'appelle Alex, j'ai 17 ans, je suis président du conseil municipal des jeunes de la ville de Royan-Almaison. Et avec plusieurs amis, nous avons eu l'idée de faire une proposition de loi qui serait d'aménager l'emploi du temps des lycéens. Pour remplacer certains cours, on mettra en place des options sportives, culturelles ou associatives. Et pour ça, il fallait la défendre au point de vue national. Et donc c'est moi qui irai le faire, qui irai la proposer à un groupe de députés qui iront la discuter, la voter à l'Assemblée nationale. Ensuite, elle passera au Sénat, où là, pareil, elle sera rediscutée, revotée. Et en cas de saisie, le Conseil constitutionnel peut la revoir, la modifier ou simplement l'annuler. Mais si elle n'est pas saisie, elle passera directement dans le bureau du président de la République, où là, elle sera promulguée au journal officiel de la République. Bonjour, je m'appelle Damien, j'ai 15 ans et je suis membre du CMJ de Rueil. Avec d'autres membres du CMJ,
nous avons eu une idée de projet de loi. Ce projet consiste à remplacer certaines heures de cours par des activités sportives et culturelles. Nous avons décidé de présenter ce projet au niveau local, au niveau national et au niveau européen. C'est moi qui me charge du niveau européen. Pour cela, à partir d'exemples concrets et avec l'aide de députés, je vais présenter le projet à la Commission européenne. Cette commission est composée de 27 commissaires et d'un président nommé par le Conseil et le Parlement européen. Leur but sera d'observer et d'améliorer la loi. Une fois qu'ils l'auront fait, ils présenteront le projet au Parlement et au Conseil européen qui voteront pour qu'elle soit adoptée. D'après l'article 288 sur le fonctionnement de l'Union européenne, les directives prises par le Conseil et le Parlement européen s'appliquent à tous les États membres. Peu importe quels sont les moyens utilisés par les pays, ils doivent arriver au but. L'avantage de porter le projet au niveau européen, c'est que je pars d'exemples concrets qui sont déjà mis en place dans des États membres de l'Union européenne. De plus, les directives prises au niveau européen prévalent sur celles prises au niveau national. Enfin, tous les États membres pourront en bénéficier. Ressortez, c'est le cinquième étage, porte d'ascenseur. Vous avez rendez-vous avec elle? Non. C'est à quel sujet? Il faudra prendre rendez-vous avec sa secrétaire. Cinquième étage, porte A. Donc vous allez ressortir. Avant d'aller voir, il faudra prendre rendez-vous avec sa secrétaire. Vous allez voir son assistante et vous allez prendre un troisième étage, porte gauche. C'est à quel sujet? Ensuite. D'accord. Vous avez rendez-vous avec elle? Vous allez ressortir. Ressortez. C'est le cinquième étage, porte l'ascenseur. D'accord. Vous avez rendez-vous avec elle? C'est à quel sujet? Il faudra prendre rendez-vous avec sa secrétaire. Cinquième étage, porte A. Donc vous allez ressortir et là vous allez voir son assistante et vous allez prendre un rendez-vous avec elle. Troisième étage, porte gauche. C'est à quel sujet? J'ai presque rien fait. Et toi, où est-ce que tu en es? Bah moi, ils m'ont dit que ça peut pas être possible parce que apparemment, bah, ça concerne pas le local, ça concerne le national. Donc c'est une question d'État. Attends, donc en fait là, toi, tu pourras plus rien faire pour le projet. Non. Et toi? J'attends. Je sais pas. Allô? Oui. Ouais, c'est moi. Oui. Oui, bonjour. Oui. Ensemble? Oui, c'est moi, mais et vous qui êtes? Ah bah tout à fait, oui. Oui, 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 bien ah sûr. Ah ouais, pas de soucis. D'accord. Très bien, je vous remercie, monsieur. Vous pourquoi exactement? Ça fait plaisir. C'est vrai? Bah. C'est vrai, monsieur? Merci, au revoir. Oh, merci beaucoup. Là, vous m'aidez, mais alors vous savez pas à quel point. Tu expliqueras après. Donc, dans 3 semaines, oui, d'accord, à. Quoi? Tout le CMJ? Oui, c'est vrai? À Disney? Oh, merci.
Oh, merci, monsieur. Oui, merci beaucoup. Au revoir, monsieur le député. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un député du Parlement européen. Il est intéressé par le projet et il invite tout le CMJ à Strasbourg dans 3 semaines. Ah, ok. Mais alors, ça veut dire que... Et toi, c'est qui t'a appelé ? C'est pareil, c'est un député, mais pendant 3 jours. Il n'est pas à Strasbourg. Mais alors, ça veut dire que c'est super bien parti ? C'est fou. Ah ouais. D'accord. J'y pense, il faut qu'on prévienne les autres. Oui. Allez, on y va.